Emmaüs 6K, du Salut de la Qualitat Alimentari à Toulouse, organisat per la Regiu Lleida y Pirineus. Si comme l'île et you à Zembeille vous viennent visiter du Salut, que pague 3 euros et après, que poste l'India et bébé chance limite. Nous, en fait, qui sont son que dégustatius. Vous allez goûter ça, c'est super. C'est quoi, Yako? Une sauce de canard. Vous parlez pas toi? Moi du tout, Trine. C'est facile à réaliser en fait. Un aligot, il faut juste un petit tour de main. Donc en fait, l'aligot, ce sont des pommes de terre, une purée de pommes de terre dans laquelle on met de la tomme fraîche, de la crème et du sel. C'est tout. Donc c'est que des ingrédients naturels. Sauf qu'il y a des plats. À Castanade, à Ossisca, est-ce que vous pouvez rencontrer un cuisinier qui parle en occitan? Et quand même, Kaosit, de commencer l'interview de Lou Mioc. Là, un des jours qui s'appelle Taben Louturguet, qui m'a préparé une soupe d'ail rose de l'Autrec. Et après, qui m'a travaillé dans le Negre de Bigorre, qui est une porte plein intéressante, dans le car de Las Bunas. Un peu rouge, mais place à brousse. Quand j'ai eu une recette personnelle, qui s'appelle Cumbit de Negre de Bigorre à la sebo de Trébou, sebo douce de Trébou, et qui a voilà, menti aux causes à l'entour d'aquette lumbe de porc. Quand il s'agit de tribailler dans la gêne qu'il y a dans une rail proche des joues, qui travaille dans le sens historique de la culture gascune, de la cuisine gascune. Et des jours qu'il y a Berta di Romain, il y a une école gascune de cuisine. Donc, le pêche des jours qui vient du golfe de Gascogne, de la Margrano, des caps à Saint-Jean-de-Luz et des caps à Arcachou. La ouille, l'agnette qui vient si de la Pyrénées, si de Gers, vous le pourrez, ce qui est là, quand même, ce qui est là, qui est sur la base de Tourna Tribaya, le Hidie de Dauco, qui est un peu un maître traditionnel qui n'a pas le guide. Manque pas grand cause en Gascogne, et depuis de lui, le cousin Berta di Romain Barriado. Assis au Salon de la Qualité Alimentaire, il y a une personne qui représente le mouvement Slow Food. Donc, tu sais ce que m'as dit, tu le produit Koukaus et tout à coup, qu'il y a mais ou moins, je suis ligam, dans le mouvement Slow Food. Mais tu n'y es pas. Non. Explique-moi, Udrin, ta position. Que je au causido, quand le mouvement Slow Food arrive en France, qui m'a convidé, Force Scopes, et qui ne suis pas en ad, vraiment. Dans la mienne, sous ce qu'elle dit, n'ai pas besoin d'être. Cousina à tout douce, lentement, mindia et prenne le temps de mindia. On a causé le produit d'un socapère et l'éco-région, n'ai pas besoin de me bouter un nom anglais et de faire ce que Hazem de toute vieille en Gascogne cada jour. Donc, le slow food qui est Gascogne en fait. Bon, comment ça? À Trivaya, dans les musiques d'ail. Que vous laissez, c'est vous laissez. Tu stades dans les moustelles. Qu'est-ce qu'il a bien la trouvesse, l'élite de la région? L'an passé, pour le salut à Kiev de la Siska, quand même, hey, tu es première animation d'ap bis de Gaillac en Occita. Vraiment, dans nos bignairus de Gaillac, il y a bin bintesin qui a presse eu label. Un label qui s'appelle Oper Luxita, donc il y avait un mèche de Hikad Navan Luxita, c'est dit, allez, qui va me faire une animation. Et à Kestan, c'est dit, qui va m'en ensager d'un audela, et donc qui va me mettre quatre apéritifs, K2C, un biling Luxita français, et tu as juste à l'IS culinaire, d'ap justement Georges Nozella, qui est une restauratou qui travaille sur la cuisine des Noustes. Un servi d'abord préparé la soupe, hein. La soupe, là, le grand, vous allez entrer. Et mettez les lits des Gaillac et me mettez non, là, et faire la présentation donc, dans le produto, donc la famille Flajol. Il y a des produits qui arrivent dans le département de Mission Pyrénées à la SICA, parce qu'ils passent, font converger donc, la tradition
culinari, la tradizione delle produzioni autentiche dei Mieciun Pirineos, ma la lingua tradizionale dei Mieciun Pirineos che è l'Uxita. Appena che là ci fa il tacco locale, e dunque non c'è l'insilazio, per esempio, non c'è pas d'accordo, perché che l'insilazio che è la lingua fermentata, non c'è l'OGM, e cada produttore ha una regola e dei calchi rispetti. Il y a quelques animations qui sont programmées, mais c'est pour les mettre d'autres. Et la liberté de ne faire un musimai, qui est ce qui est prévu dans les programmes, demande à le public s'il fait plaisir de poser donc fait un double langage, donc en français et en occitan. S'il y a pas d'opposition, et bien, pour eux, il n'y a pas de problème. Et sous quelle justement la réaction du public? Pour le moment, pas trop de réactions, mais un peu de réactions ne sont pas venues pour réagir négativement. Pour dire, me faisais cagar ma con, nous faisais cagar mes l'Occitane. Pour le moment, il y a pas eu ce qui est venu dire quoi. Il y a une ou deux qui sont venues dire, nous fait plaisir. Mais c'est tout. Mais bon, c'est comme à l'école. Qu'à le rabatzer, qu'à le mettre sur le métier, la langue. Et la langue, justement, quand elle est aussi perdue, la qu'elle fasse une, souvent, longtemps, parce qu'elle tourne donc dans les caps de cadun. Quand le peuple a eu la culture, qu'a eu la langue, eu la cuisine. Et quand commence à perdre la sua cuisine, la langue n'est pas lui, t'as pas où d'être perdue.